Salut les amis, c'est Chaos. Et Harmonie. Et Tidou. Alors aujourd'hui, on se retrouve, comme vous pouvez le voir, avec le fiston. Ouais, c'est une première, on va faire un petit test, on va lui faire découvrir un peu le monde des brocantes. Ouais, l'envers du décor, parce que lui il voit que les vidéos. On va vous emmener avec nous, mais on voit ça après le générique. Bon alors nous voilà, nous sommes garés. Tidou, il est prêt. Alors, il a voulu aussi être paré, donc du coup, on lui a donné. Tu lui as mis la GoPro en route ? Ouais, je vais lui mettre la GoPro, donc celle qu'on avait trouvée en brocante, là, qu'on se sert de moins en moins. On se sert plus, ouais. Ouais, alors. Voilà, ça fonctionne, monsieur Tidou, vous êtes en film. Donc, voilà, donc effectivement, première brocante pour le fiston, on va lui faire découvrir. Il est 7h du matin, les exposants voilà. Arrivent à 5h, donc ils sont plus ou moins tous installés. Et puis, bah, on va y aller. Ça marche comment? Bah t'as la grosse montre derrière. D'accord. En fait tu mets dans la grosse montre. C'est tout, il n'y a rien de plus? Oui. Et il parle et tu peux voir les yokai bouger et tout. Et moi j'adore. Attends, je peux tester. Avec le yokai péter. Tu mets ça là dedans, c'est ça? Oui, attends, on va faire un petit tour, on regardera tout à l'heure. Oui. 5, 6, 7. Tu peux faire 10 14. À droite, tu montes le. Ouais, 10. Ouais. On va partir. 10. Ouais. Elle est belle celle-là. Ouais. Je sais pas si c'est des dinosaures. Et il y a un masque de. Regarde Enzo, le masque derrière. Ouais. Regarde. Ah ouais. Et papa, il y a même un masque pour papa. Je suis ton père. Je suis ton père aussi. Tu peux le faire à 3 celui-là ou pas? Ouais, 3 c'est bon. Vas-y. Et regarde quoi ton père? Les peluches. Je sens qu'on va s'arrêter là tout à l'heure. Ah oui. Et ça combien les peluches? Ah, il y a 10 km. Quoi le tout? Et le. Alors, je sais pas trop ce que c'est. C'est une sorte de petit truc qui a été commandé, ça l'a volé. Allô, d'accord, ah, c'est une ça sorte vole. De. Donc 3 et les peluches 3, c'est ça? 3, ouais. J'aime bien les apacrata comme ça avec des déguisements, des conneries. Ça me fait marrer. Tu peux prendre ça pour ma boîte à bonbons? Ouais. C'est vrai qu'elle est mignonne. Il y a quoi dedans? Il y a quelque chose dedans ou pas? C'est une boîte de quoi? Une boîte comme ça parce qu'il cherche une boîte à bon point pour l'école. Ouais, bref, je trouverai un truc. Oh, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Quand je vous dis qu'on va repartir avec. Je savais que ça allait l'intéresser. Je savais, je l'avais dit. Et je sentais l'odeur, je l'avais même pas encore eue. Et toi aussi, t'es intéressé? On en prend à la sortie? Oui, on prendra à la sortie, mais oui, on en prendra. D'accord. Et c'est reparti pour des peluches. Madame, elle va me tuer. Quoi? Ouais? C'est possible, je sais pas pourquoi, mais oui. Et elle me dit, si je prends peut-être la caisse. Ah ouais, non, c'est bon, ouais. Il y a les deux, nous, ça débarrasse. Je le dépose avec la caisse. Ouais. Non, il n'y en aurait qu'une, peut-être, celle-là. Oh, elle a 1 euro alors. C'est bon, t'as tout regardé? C'est quoi ça? C'est du yokai wash, ça? C'est un puzzle de yokai wash? Ouais. Oui. Oh, tu commences à bien reconnaître, maman! Bah, tu m'as dit, j'essaie de voir, hein, j'essaie de regarder, comme j'ai vu qu'il y avait des cartes Pokémon aussi. Oh, oh! Bah, oh. je crois que c'est. Oui, c'est des cartes Pokémon. T'as tout à fait raison, DV. Voilà. Qu'est-ce qu'il a? Non, parce que, encore une fois, je lui sers des yeux. Il avait pas vu, il y avait un puzzle yokai wash et il y avait des cartes Pokémon. Et il avait rien vu du tout. Sous l'œil inquisiteur du papa. Alors, Andy, c'était quoi d'aller en brocante avec papa et maman? Bien. Vas-y, montre-moi à quel point t'es content. Super content. Il a combien Comment Il a combien 1 euro. 1 euro. Ouais.
Tiens, pense avec toi, tu vas voir la dame. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Tiens, tu peux mettre ça là-dedans. En plus, t'as une boîte pour tes bons. C'est ce que j'allais lui dire. Il y a eu qui voulait une petite boîte en plus. Donc comme quoi, j'ai bien fait de lui dire d'attendre. Regarde, c'est ce rire. Il est content? Bah non, il est pas content. Tiens, tu mets dans le sac. Je suis trop content. Ouais. Du coup, bonjour. Ils sont à combien les jeux? 5 euros. 5 euros. Mais Bilou, t'as vu comme il est derrière? Tant qu'il n'y a pas le moteur à l'essence. Viens, maman. J'ai même pas filmé ça. Donc, qu'est-ce qui vient de se passer? Vas-y, dis-moi, Tito. Moi, en tout cas, j'ai filmé. Ah oui, c'est vrai, toi, t'as filmé. Donc là, papa, il vient d'acheter. Il a acheté quoi, papa, à 50 centimes? Bon, une petite sacoche DS. Il faudra que je la passe un petit coup à la machine à laver, parce qu'elle est un peu sale. Là. Et puis, il y a eu un petit jouet que la dame lui a offert. Et puis, la dame, elle a offert un petit. C'est quoi, Enzo, du coup? C'est je connais pas, moi. Et c'est un truc de où? De quoi? C'est Yo-Kai Watch. D'accord, c'est Yo-Kai Watch. Donc, comme vous pouvez le voir, il a pas attendu hein, pour mettre son médaillon Yo-Kai Watch. Ouais, ça monte, Yo-Kai Watch. Ça monte, ok, d'accord. Les médaillons, je les ai pas encore mis. Alors, il est quelle heure si c'est une montre? Il est l'heure de t'acheter une montre. T'as osé bien sortir. Bonjour. Bonjour. Ça fait combien les jeux? C'est que des PS3, ouais. On les fait à 3 euros. Ouais. Après, si on en prenait plusieurs, on a un prix. Oui. Je remonte, vas-y, on démarre, vas-y. Tu vas le voir là, c'est bon? Oui, j'arrive à voir. C'est saignant, hein. Il y avait bien lâché, hein, dedans, dans le fait. Ouais. Oui. Oui. Aux enfants, il faut éviter quand même. Voilà. J'ai eu 2-3 épisodes. Ouais. Pardon? On regarde après. Il n'y a pas. Parce que là, on est trop loin. Si vous prenez 5 Walking Dead, je suis à 10 euros. Quoi? Hein? Pour les 5 là, je prends un lot là. 10. C'est 2 euros pièce. Vous avez les boîtes avec? Ça, je me suis dit. Ah, c'est. Et vous les faites à combien? 2 euros chaque. Pareil. Allez, ouais. J'ai pris déjà les. Ouais, c'est bien. C'est plus d'une rencontre. Et ça combien les jeux? 2 euros pièce. 2 euros pièce. Attends, oh, bah, j'ai perdu un bout de pouce. Si je te prends le lot là, tu peux me faire 5? 6. Bah vas-y. C'est quoi ça? Ça, c'est une série que je faisais il y a longtemps. Et Il est vraiment cool le DVD. Le DVD de. Le Devil Devil. Ah, Devil. Ouais, j'ai fait il y a très longtemps, j'ai plus beaucoup de souvenirs. C'était un ange et un démon qui tombent sur terre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était. J'ai bon, entendu, toi. Je dis pas de bêtises, plus on avance et plus on se rend compte que le démon, en fait, il est gentil. Ouais, c'est un délire comme ça, hein, c'est ça, de ouais, mémoire. Et ils s'entendent de plus en plus et ils finissent spot et. Là, tu fais combien là? 5. 5, 6. Tu fais 4. 4, ouais. Voilà. Ouais, t'as celui-là et celui-là. Fin... Ouais, bah, c'est gentil. C'est la couleur. Bonjour. Bonjour. C'est que du foot encore? Ouais, c'est que du foot. C'est du foot. Quasiment. Ça va être maximum 50 centimes. De celle-là? Celle-là, là? Le machin? 50 centimes. C'est quoi? Je sais pas, mais c'est marrant. Il y a une tête marrante. Là, t'as 2-3 petits trucs. Bonjour, ça vaut combien les jouets? Oh bah ça dépend, tu prends un lot ou tu prends tout, je te fais un prix. S'il a vu un truc de hamster là. Il marche plus. Ah bah il doit pas y avoir les piles. Du coup les
J'ai rêvé quand j'avais vu des Pokémon. Non, t'as pas rêvé. J'ai pas rêvé. Bah, si on prend 5A. Les 5, et ben 2 euros. Tu l'as vu la toupie ou pas? Oui. Hein? Oui. Hop. Voilà. Merci bien, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Bon, t'as gagné une toupie, une souris. Yes. Yes. C'est génial. Attends, t'es à combien d'heures? 1h34, il devrait plus tarder à s'arrêter. Hein. Super, merci à vous, madame. Qu'est-ce qu'il a vu, papa? Oh là là. Oh non, 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 non. Au revoir. J'ai essayé. Oh là là, la main énorme que ça va te faire. Oh. Faut que tu te repères avec le pouce. Oh mon dieu, mais il n'y a pas la place. Bon, tu tapes personne, hein, par contre. Merci monsieur, bonne journée. Bonne journée à vous. Merci à vous, bonne journée. PC, il n'y en a pas beaucoup. Et PlayStation 1, je l'ai fait à 1€. Ouais. Je dois en avoir un, de Play 2, je l'ai fait à 2€. Et les Play 3 à 3, voilà. Facile à retenir. Et les mangas, ils sont à combien? Les mangas, Gaël? Oui. Tes mangas? 3€ le noté et ou... Je fais un peu de tout, moi, donc ça me permet de découvrir un peu non, des séries. Non, ça, c'est ce que je t'ai fait découvrir. Je peux vous faire à 30 euros tout, à peu près. Oui. Je vous ferai 32 avec les deux jeux. Oui. Alors, c'est pas moi, j'ai les deux, 32 pour le tout. Ouais, bah, c'est parti, alors. Tu t'es trompé, là. Regarde comment t'as mis ta main. Ouais, je crois que voilà. Regardez les pouces pour te... pour voir. C'est avec les pouces que tu te... Je crois qu'il en reste. Ah oui, je l'ai pas vu. Il était caché. De toute façon, il n'a pas d'yeux le matin. Bah, c'est pas que j'ai pas d'yeux le matin, c'est que je devrais porter des lunettes, j'en ai pas. C'est malin. Bah, je sais, je sais. Regarde, le monsieur, il a des lunettes, il les porte pas, il voit rien ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il a besoin de moi après. Ouais. C'est mes yeux, c'est. Tu es tout pour moi. Oh. Moi, j'ai pas droit à ça, moi. Ah. Chérie, oui, ton fils, il vient de me dire cette fois, avance pour pas perdre papa. Donc du coup il m'a poussé avec ses super gants. Autant je me tue le manga. Oui. Plaisir. En plus c'est Attaque de Titan, je les cherche donc. C'est vrai, c'est mais parfait. Ils sont pas dans l'ordre et c'est pas les pas premiers. C'est pas grave, attends, faut bien commencer enfin, à manger. Hein. Voilà, faudra bien que t'en prennes. Tout à fait normal. Enzo. C'est bon? Ouais. Ça filme plus! Ah, fini! Et ça a filmé quand même méga longtemps! On a perdu papa! Vite, téléporte-toi! Tu te poses et t'as vu? C'est mon pire cauchemar! Je l'ai vu, j'ai ici, regarde. Je crois que c'est le. Je crois que c'est le mien aussi. Hein. Faut surtout pas montrer ça à ton père. Hein. Ah. Tu m'as parlé mon père. Il a essayé de souffler là, il a pas bougé. C'est plus lourd que toi, c'est pas grave. Bah, je l'ai énervé du coup, il guère. Sauf qu'on se met en maison. Bon alors les amis. Donc là, on vient d'arriver à la voiture, on va poser toutes nos affaires dedans et on fera le compte-rendu à la maison parce que on est juste à côté de la route passante et clairement ça va être insupportable si on vous fait le compte-rendu là-dedans. Qu'est-ce que tu nous as pris? Un petit fraisier. Un petit fraisier. Eh oui. Et moi j'ai pris du pain pour manger avec le saucisson. Moi aussi je mangeais avec... Toi aussi j'ai mangé des saucissons. Bon, là, Chaos, il va nous préparer un petit peu le coffre pour nous montrer un petit peu de manière sortie des sacs. Ouais. Et après, on fera. Et mon titou, il va aller déposer son petit fraisier et le pain dans la maison. Moi, je vais le manger là. Non, non, t'attends. Donc, voilà ce que nous avons trouvé. Donc, là, on va présenter progressivement un peu tout ce qu'on a pu dénicher. Donc, alors, il y a eu ça. Ça, c'était sur un petit coup de tête, je trouvais ça marrant. Enzo c'est... aussi a trouvé ça marrant. Ah, il a joué avec pendant toute la brocante. Hop, donc c'est les gants de Hulk.
elle est vendue au début 2 euros. J'étais pas chaud. On allait partir. Elle avait 1 euro pour débarrasser. Je vois 1 euro, ça servira toujours pour faire le con. Pire des cas, sur une étagère, ça fait sympa. Et puis, et dans le dernier des cas, peut-être que ça finira au fiston pour qu'il joue à la bagarre, qu'il s'éclate avec. Là, je vous montre toutes les conneries comme ça, un peu insolites. Il y avait ce truc-là, ça m'a fait marrer. Alors, apparemment, ça marche à la pile. C'est un peu comme un Furby, quoi. C'est un peu dans le même délire. Les piles sont HS, si je dis pas de bêtises. Mais j'aime bien ces petites conneries-là, je trouve ça marrant. Ça, c'était, je crois, 50 centimes. 50 centimes, franchement, ça valait le coup. Hein. Pour 50 centimes, c'est marrant, j'aime bien. Donc là, on a un lot Star Wars. Alors, c'est style, je crois, c'est Lego Technique qu'on appelle ça. Ouais, je pense. Moi, j'ai pris surtout le lot pour lui. Je le trouve magnifique. Et, ça, et le style Lego Technique va bien avec ce personnage-là. J'ai plus son nom, par contre. Vous me direz en commentaire le nom, je vais avoir plus de son blaze. Puis le pilote de vaisseau, là, de la Résistance. Mmh. Kylo Ren. C'est à lui qui a rien à voir avec. Et en plus, j'ai remarqué qu'il me manquait un morceau, je l'ai vu qu'après. Je suis dégoûté. C'est un personnage d'une autre série, je sais pas c'est quoi, mais bon, il était avec dans le lot, je le trouvais sympa. Si, en commentaire, hein, les amis, pareil, si vous voyez qui c'est, de quelle série c'est. Là, le chasseur de primes. Voilà. Il y a un Troopers, elle, c'est comment déjà s'appelle? Pas Finn. Ah, ou Ray, c'est Ray. Et il y a une espèce de petit drone, petit robot, voilà, qui était avec. Le tout, je l'ai eu pour 10 euros. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Alors, ensuite, donc nous avons Titou qui a trouvé quelques petites choses pour lui. Vas-y, montre-nous ce que tu as trouvé. La montre. La montre quoi? La montre Yo-Kai Watch. Tu me dis pas. Bah, évidemment. Forcément. Moi, je sais ce que c'est. Non, mais. Alors, vas-y, montre-moi quelques petits médaillons. Donc, il y a 12 petits médaillons. Ensuite, qu'est-ce que tu avais trouvé pour toi, mon cœur? Combien tu l'as payé, celui-là, du coup? 1 euro. 1 euro. La montre avec les petits jetons. T'avais trouvé quoi d'autre? Après, il y avait ce lot-là. Et en plus, en magasin, ça vaut 15 ou 20 euros. Bah ouais. Et on a 2 médaillons avec la montre. Donc là, on a eu un petit lot aussi. Alors, Titou, lui, il avait vu. Je te laisse présenter. Ah, vas-y, c'est quoi? C'est les hamsters. En vrai, j'en ai dans ma chambre, en vrai. T'en as qui venaient d'où? Encore en brocante. Ouais, c'était une fois en brocante que j'avais pris. Ça, c'est une toupie Blade. Oh. 1, 2, 3, il va. Voilà, c'est les toupies qui marchent avec un lanceur. Moi j'adore. Et elles tombent très longtemps parce qu'elles sont lestées avec du métal. Donc elles font un certain poids, les toupies. Donc oui, avec la toupie et avec et la le toupie hamster. Et le hamster, il y a aussi 3 petits bonhommes Pokémon. Et on a payé le lot des 5 jouets pour 2 euros. Alors après, une grue style Lego Technique. Je trouvais sympa, elle avait de la gueule. Il y a le petit magazine, effectivement, pour pouvoir faire le montage, avec quelques pièces supplémentaires. Elle était à 3 euros. Alors là, il y avait une petite curiosité. C'était un petit Mario télécommandé, style drone. Oula. Attention, il y a mon coffre. Ah ouais, donc ça va marcher au final. Hein. Bon, donc, on va faire ça à l'intérieur ou... Ça a fait beau. En tout cas, ça fonctionne. Et nous avons la notice. C'est ça. Avec, il y a des palmes de rechange. Bah oui, parce qu'à mon avis, tu dois facilement le casser, le bordel. Comment il est fragile et comment il part dans tous les sens. Et ça se recharge via USB. C'est ça. Et donc celui-là, je l'ai eu pour 3 euros. Bon, pour moi, ça vaut pas plus. Hein. C'est un petit gadget à la con. Ensuite, nous enchaînons sur un lot de pop. Donc petite figurine pop, en ce moment je suis un peu dans, tombé là-dedans. Alors, Jack vas-y. Le Lanterne, c'est le mec qui est avec Mary Poppins. Tu sais, qui chante oui. À Chim Chimilim, Chim Chimilim, Tananana. Okay, oui, ça voilà. Hop, je laisse lire. Raph. Flacasse, c'était la nana qui se la joue un peu badass. Un petit personnage de Star Wars. Là, on a une petite pop. Alors c'est Aladdin, c'est Abou quand il se fait transformer par le génie en éléphant. Là, on a, hop, petite figurine Talespin. Donc ça, c'est une. Chacal. Convention exclusive limitée d'édition, donc elle est pas commune celle-ci. Et après, on a le espèce de golem de pierre de la Reine des Neiges 2. Donc j'ai eu le petit lot pour 35 euros. Donc ça faisait 5 euros la pop, sauf la limitée d'édition que je l'ai payé 10 parce qu'elle est plus compliquée à trouver. Donc ensuite, après les pop, monsieur est toujours dans sa période peluche. Alors, petit Peter Pan peluche, je trouve vraiment bien fait. Il est beau et je me rappelle pas l'avoir déjà vu celui-là. Il est plutôt classe. 1 euro.
Et petite peluche lapin crétin. J'adore les lapins crétins quand ils ont des petites tombinaisons comme ça, ça me fait trop marrer. Donc là, en mode licorne rose. Après, on a hop, un petit William Nielsen en mode pilote d'avion. 1€ aussi. Après, on a une autre peluche qui est marrante. C'est encore dans la collection des peluches avec des déguisements. C'est Porcinet déguisé en tigrou. Je le trouvais marrant. Pareil pour 1€. Là, on a un lot. Alors, je sais pas si on l'aura en vidéo, mais il y avait un mec, enfin deux mecs qui faisaient une transaction avec un gars juste avant que j'arrive. Et en fait, ils ont récupéré. Alors, j'espère qu'on le verra en vidéo. Ils ont récupéré sur PlayStation 1 Mega Man X à 2€. Je suis dégoûté, mais bon, c'est content. Je suis content pour eux. Et des figurines. Vous savez, les figurines de 20 cm de Final Fantasy. Je crois que c'était du Final Fantasy 10 et il y avait du 13 aussi, je crois. Et du coup, bah, 2€ la figurine et le Megaman X 2€. Donc, je les ai laissé finir leur transaction, hein, les amis. Hein, quand c'est comme ça, ils sont arrivés avant moi, je les laisse terminer. Et bah, du coup, j'ai récupéré ce qui restait, ce qui était intéressant. Donc, j'ai eu deux petites pop. Tu les connais, toi? T'as vu le film? Non, je ne souviens plus. World of Warcraft, c'est le film. D'accord, avec la femme ou okay. Orc. Donc, les deux petites pop, il n'y a pas les boîtes, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Il y avait donc les deux pop, plus Gran Turismo 1 sur PlayStation, avec la boîte à peu près en bon état, il n'y a pas de cassure. Et FF12 sur Xbox 360. Le lot était à 6€. Ce qui est un très bon prix, hein, vous me direz en commentaire, mais 6€ pour deux pop, même s'il n'y a pas les boîtes, c'est dommage. Et les deux jeux, là, c'est plutôt cool. Et au même mec, après, j'ai vu qu'il avait des mangas. Et je lui ai pris ce lot de mangas, je crois que je l'ai payé 4€. Oui. C'était ça. Hein. Donc, il y a un One Piece, il y a deux Devil. Alors, il y en a un qui est sans jaquette. Et 4 Fairy Tail. Donc, c'est plutôt cool, c'est un bon prix, je trouve. 4 premiers de Fairy Tail. Ouais, 1, 2, 3, 4. Donc, voilà. Le petit lot là, 4€. Le lot là, 6€, donc en tout le tout je l'ai eu pour 10€. Alors là on a récupéré aussi un petit lot de jeux PS3. Alors on a Uncharted 2 qu'on a fait. qu'on a fait nous sur PS4, le remaster en HD. Twitch. Voilà, sur Twitch. On est d'accord, un très bon jeu, hein. Ouais. On s'est bien éclaté. Street Fighter 4, moi j'adore les Street Fighter, donc voilà, je l'ai pris au passage. Un petit Batman Arkham City, celui-là je l'ai pas fait, mais je pense qu'on va se les faire les Batman, ça peut être sympa. Diablo 3 que j'ai fait et j'ai adoré. Mais c'est long, hein, c'est des jeux. Tu sais, tu farmes, tu montes des niveaux, c'est hyper long. Et un petit Naruto. Hop, on va enlever l'étiquette comme ça on verra. Youp, Storm Revolution. Donc le lot de 5 jeux PS3, on l'a eu pour 10€. Donc 2€ le jeu, c'est que des bons titres. Ouais, c'était plutôt correct. Les CD sont en état nickel, pas de rayures. Donc ça, c'est plutôt cool. Un peu de jeux vidéo, ça fait plaisir, hein, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup dans la broc. Et là, on a un petit lot qu'on a pris. Alors, on a Attaque des Titans 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Plus...Ah, ça, je l'avais fait en animé. Judge. Je crois, hein, si c'est bien ce que je pense. Non, je me plante. Attends, je regarde. Non, c'était pas ça, c'est un autre manga que j'avais fait. Donc ça, je connais pas. Moi, je vais découvrir, on verra bien. C'est le tome 6, voilà, j'essaie de récupérer les premiers. Un petit manga Zelda, Twilight Princess, le numéro 5. Mais bon, j'ai pas le reste. Mais bon, comme on dit, on récupère progressivement, on finira par les avoir. Deux tomes de... comment ça se dit? Double, je sais pas comment ça se dit. Pareil, je connais pas. C'était dans le lot, hein, j'ai pris le lot, hein, les amis. Donc pareil, c'est des mangas à découvrir. J'ai le 1 et 2, donc je vais pouvoir effectivement découvrir la série, voir si ça vaut le coup. Et un petit One Punch Man, le premier... volume 19, 20, 21, 22 de Seven Dead XX. Donc c'est une série que j'ai fait avec le fiston. Tchouk, voilà. Et celui-là, c'est quoi? Secret, je connais pas aussi. C'est des mangas qu'on va découvrir, les amis. Hein. 19 mangas plus Infamous 2 et Mafia 2. Infamous, j'avais adoré, j'avais fait le premier et le 2. J'ai pas continué, je dois avoir le 3, il faudra que je me. Un des 4 que je m'y mette. C'était pas mal, hein. C'était un petit personnage, gros, on fait des expériences sur lui, voilà, il a des pouvoirs, tu te promènes dans une ville un peu style monde ouvert, et bah, avec tes pouvoirs, tu peux te déplacer, genre, avec l'électricité, tu peux aller sur les rails du train, tu peux planer avec l'électricité, il y a plein d'interactions avec ces fameux pouvoirs que tu débloques au fur et à mesure, c'était vraiment sympa. Et le petit Mafia 2, le lot donc des 19 mangas et les deux jeux PS3, je l'ai eu pour 32€. Oui, c'est ça, hein. C'est ça, ouais. Et puis bah ça conclut. Non, ah, je l'ai oublié, je voulais dire que ça conclut, mais non. Petite pochette DS.
À 50 centimes. Bon, c'est toujours cool. Et puis hein. La dame, elle a offert une petite figurine à ton fils aussi. Que je sais pas où elle est. Elle doit être traînée dans la voiture ou dans un sac. Bon, voilà les potos, c'est là que s'arrête cette vidéo brocante. Donc, la première brocante qu'on fait avec Titou. Alors, vas-y, dis-nous, Titou, qu'est-ce que tu en as pensé de ta première brocante avec nous? Elle était bien. Ouais. Mais moi, je pensais pas. Tu pensais pas quoi? Il pensait pas, c'est tout. Faut pas trop lui en demander, hein. Non, mais c'est que je savais pas, il y avait... Que t'allais trouver des médaillons Yo-Kai Watch, c'est ça? Oui. Voilà. Et heureusement que je suis là pour faire le traducteur, non, parce que là, il est pas non. Là. Hé, c'est là où que tu regardes. Vu qu'il y avait quand même beaucoup de monde. D'accord. Ah bah ça, oui, il y avait du monde. T'en as pensé quoi, toi? Bah, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose en termes de jeux vidéo. Ouais, donc, non. Bon, il y avait pas mal de jouets, mais sinon, je ne l'ai pas trouvé fameuse. Après, c'était une bonne balade, c'était sympa. Oui. Titou était cool. C'était une tentative, hein. Moi, on va dire, c'était une tentative cool. Avec le fiston. C'est une nouvelle expérience qu'on a fait vivre au petit pied. Et puis à nous aussi, hein, c'est une nouvelle façon de faire la brocante. Moi j'ai apprécié. Ouais. Donc, bah, du coup, on va aller manger notre petit saucisson que Chaos a récupéré sur la brocante. Ouais. Et puis ben, on vous fait des gros bisous et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Générique.